transition from conventional agriculture towards agroecology is underway. Everywhere in West Africa and mainly in Ivory Coast, many vegetable producers have started using this new farming system, which is both environmentally friendly and safe for human health. Impoverished soils, climate disturbances, and the arrival of new pests have accelerated producers' willingness to adopt this new way of farming. Pour moi, l'agroécologie a tout changé, déjà au niveau santé, santé personnelle, santé de mon sol, et aussi au niveau de mon revenu. Avant, en conventionnel, je touchais à peine 150 000, et maintenant, je suis passé à 250 000. L'agroécologie permet de pouvoir produire mieux, de conserver la qualité du sol, parce que le sol, c'est la base de notre métier. Avec les voisins, déjà, ils ont vu qu'ils ont des problèmes dans le conventionnel, donc chaque fois, ils viennent à mon niveau pour apprendre ce que je fais. Par exemple, le compostage, les biopesticides, ainsi de suite comme cela. Comme c'est du compost, même si ça touche les pieds des plantes, pas de souci. Je suis ravi de partager cette connaissance-là. Ma modeste contribution leur permet de pouvoir faire l'agroécologie. Agroecology combines agronomy and ecology and takes into account the balance between nature and what it provides. This is why research in agroecology is essential. Coming up with farming practices that are both environmentally friendly and still meet farmers' needs is complex and meticulous work. Researchers for the Marigot project are aiming to find innovative solutions in agroecology that can address the problems faced by producers. On ne peut pas réaliser des produits agroécologiques qu'on souhaite inonder le marché à la place des produits conventionnels sans faire de la recherche fondamentale. Et cette recherche-là permet de réaliser des diagnostics. Ces diagnostics-là sont faits pour évaluer la qualité du système de production. On peut diagnostiquer au niveau économique, au niveau génétique, environnemental, voici, il n'y a pas de pollution. On peut aussi faire le diagnostic au niveau du sol, des insectes, au niveau de post-récolte pour voir la qualité du produit à la fin de la production. Et lorsque nous avons des réponses aux problèmes des producteurs, nous réalisons des ateliers de formation qui va réunir à la fois le chercheur et le producteur. C'est ensemble qu'on peut arriver à co-construire un système agroécologique durable et résilient. Les formations en agroécologie sont très importantes parce que ça permet de donner ces solutions-là, pratiques-là, aux agriculteurs. Parce qu'on sait que chaque zone a sa réalité. Les réalités d'une zone X ne sont pas forcément celles d'une zone Y. Donc du coup, on essaie de voir un peu avec les agriculteurs quelles sont ces réalités et quels sont ces avantages qu'ils ont autour de la nature et qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir produire des pratiques innovantes qui sont mieux adaptées à la protection de l'environnement. Depuis 2 ans, on constate que les parcelles de gombo sont attaquées. Par quoi ? Par les acides. Voilà. La formation ne se limite pas seulement aux producteurs. On essaie de former les formateurs des formateurs qui, demain, qui vont faire ce relais. Parce que nous sommes des chercheurs. Notre rôle n'est pas d'aller au contact tous les jours avec les agriculteurs, mais il y a une structure ivoirienne qui existe, qu'on appelle l'ANADER, qui a pour objectif d'appuyer ces agriculteurs-là à toutes ces pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, l'État s'est rendu compte que l'agriculture conventionnelle, l'utilisation de pesticides a des limites. Et du coup, pour eux, c'est de pouvoir basculer quand même petit à petit à cette nouvelle approche qui est l'agroécologie. Donc du coup, pour nous, c'est de pouvoir les accompagner pour que demain, ils puissent être impliqués dans cette transition agroécologique. To accelerate the ecological transition in the Ivory Coast, CIRAD and its partners are taking things a step further. Indeed, the Marigot project teams have created permanent platforms bringing together all of the market gardening players, producers, transporters, processors and consumers, but also researchers and government departments. Dans le cas du projet Marigot, nous avons décidé de mettre en place des plateformes multi-acteurs
elles permettent de co-construire ensemble des solutions, de pouvoir les faire adopter et diffuser largement dans toute la Côte d'Ivoire. Elles ont aussi pour fonction d'organiser la filière, de fédérer les acteurs autour d'idéal commun qui est de pouvoir mettre sur le marché des produits réalisés de façon agroécologique afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Marketing is a crucial point for any producer. And for agroecological fruits and vegetables, it's an issue. And though the production is there, as is demand, consumers find it difficult to identify which products are healthy and which are not. It's a sticking point, and not the least. Le souci, c'est que il n'y a pas encore un vrai mécanisme de labellisation de ces produits agroécologiques ou bio. L'exercice qui est en train d'être fait, c'est de créer un label dit SPG, système participatif de garantie. Une fois que on arrive à garantir aux consommateurs ou aux restaurateurs ou aux transformateurs que ce produit est agroécologique ou bio, alors on est à même de pouvoir facilement écouler ces produits à des prix plus rémunérateurs. According to a survey led among 5,000 households, 58% of the urban population of Ivory Coast is willing to pay more for quality fruits and vegetables. Agroecology has a bright future ahead of it. In the end, through the Marigot project, we realized that a research project that offers local, tangible solutions and involves all the players from one sector can truly be a lever for development. Yes, agroecology is still a minority production system, but with everyone understanding the need to implement sustainable agriculture, it's only a question of time before this new relationship with nature, agriculture and food takes hold.